Bonjour, aujourd'hui je vais vous amener à la découverte d'un de mes vignerons préférés qui est Frédéric Puget, domaine de Fourtanier. Et là je vous amène à Mont-Laure, dans la montagne d'Alaric. Alors Frédéric aime travailler uniquement les cépages. Donc chez lui on va retrouver entre autres des Syrah, des Merlot, mais aussi un vieux cépage du Languedoc qui est l'Alicante. Donc ce cépage, l'Alicante, c'était un cépage qu'on appelle teinturier, donc qui servait à colorer les vins. Ce vieux cépage qui a été énormément arraché dans le Languedoc, on en retrouve quelques traces donc sur ce domaine-là. Tout juste, il vient de sortir son millésime 2018 qu'il vient de m'envoyer, que je viens de goûter. Franchement, c'est très joli. Alors, l'Alicante est un cépage qui va donner des vins très colorés, puisqu'il servait à colorer les vins à l'époque. Et par contre, beaucoup de fruits noirs là-dessus. Alors, la particularité de ce cépage, c'est d'avoir des tanins en bouche un petit peu rustiques. Alors, ce 2018 est un petit peu marqué, mais en fonction avec l'accord que l'on peut faire, ça va être assez intéressant. Autrement, vous pouvez l'attendre un petit peu. Là, j'ai goûté, puisqu'il me reste à la cave, quelques 2015 qui sont vraiment sublimes, où on a cette structure tannique qui s'est complètement fondue. On est vraiment sur un vin très onctueux. Pour accompagner ce vin, je pense à un plat qu'on peut faire. Là, on a vraiment le temps de cuisiner. Pourquoi pas faire un paleron confit au vin. Donc, le paleron, vous le demandez à votre boucher. Vous le mettez à mariner et vous laissez cuire tout doucement au four, tranquillement. Et après, vous utilisez votre marinade pour faire la sauce. Et accompagner avec cette alicante, vous allez voir, c'est vraiment très joli. Je vous laisse plus qu'à le découvrir et donc à préparer ce petit plat.